l'École nationale d'enseignement maritime, mission réussie. La célébration du 50e anniversaire de l'École nationale d'enseignement maritime, ou ENEM, se tiendra dans la ville des Fleurs à Mahading les 12 et 13 septembre prochains. Plusieurs activités seront au programme, dont des expositions photos, mais également des conférences sur les thèmes de l'historique de l'école, la formation maritime ainsi que son avenir. À l'issue de ces deux jours, une réunion des anciens de l'ENEM aboutira à la création d'une association, Piana Chamet Mlalni ENEM, créée en 1962 pour répondre aux besoins de la jeune flotte de la marine marchande de Madagascar. L'ENEM a dispensé ses premiers enseignements aux élèves officiers en cabotage et aux apprentis marins. Puis, au fil des ans, les formations se sont diversifiées pour mieux s'adapter aux réalités du pays. L'ENEM a réussi sa mission. Actuellement, la majorité des enseignants sont des anciens navigants malgaches sortant de grandes écoles maritimes étrangères, Le Havre, Marseille, etc. D'autres enseignants, tels que des ingénieurs en construction navale, des professeurs d'anglais, ingénieurs en informatique, assurent des cours au sein de l'établissement.